Justicier, si justicier, si justicier, si justicier. C'est ça, recruter les gens, recruter les pages, aller partout. C'est ça la justice, hein. Si vous connaissez même pas l'étymologie du mot justice, justicier, justicier, les fondements de la justice, vous les respectez? Vous ne savez pas, quand vous prenez souvent des attributs bêtes, des moutons, des vieilles, c'est des vieilles personnes. Quand il fallait citer les orangs, là, les justiciers, vous étiez où? C'est la question que je vais vous poser. Vous étiez où? Vous ne pouvez pas appeler mon oncle. Vous ne pouvez pas lui demander qu'à un moment donné, on arrête. Coucou. Yes. C'est quoi là? Tu es en train d'énerger sur toi, quoi? Me pas. Il Je parlais de quoi, ça? Je parle de quoi? Attends, ça parle de quoi? Donc, tu ne connais même pas le sujet, tu lances la vidéo. Non, mais franchement, là, il neige sur toi. Hein? Il neige sur toi, là. Ça va, toi? Ça va? Oui, Laisse-moi, je suis en train de regarder ces gens-là qui sont en train de me donner les maux de tête. Gonzo mort. Avec Gonzo mort? Non, tu connais C'est Gonzo. Gonzo mort? Tu connais Gonzo. C'est Gonzo mort? Ah, ben oui, c'est Gonzo mort. Gonzo mort, va te faire foutre, je prends ta merde, idiot, boule d'orgue. Ah, mais attends, quand tu finis, tu m'appelles par WhatsApp. Je savais pas, je pensais que je lançais la vidéo D'accord, WhatsApp. grande sœur. Ok, OK. à tout à l'heure. Comment ça approche là et... Non, mais quand même, arrêtez. Donc, je les entends dire, je suis justifié, je suis justifié. Vous êtes justifié où depuis 4 mois, votre fils ne fait que pleurer. Je ne fais que pleurer. Vous ne regardez pas les pleurs, hein? Les mamans justifiées. Et les papas justiciers, vous ne regardez pas mes pleurs depuis 4 mois. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous ne voyez pas depuis 4 mois. Je suis en train d'appeler. Calmons-nous, calmons-nous. Depuis 4 mois. Vous voyez mon oncle lancer les piques à sa propre soeur, lancer les piques à ses propres gens. Et vous appelez ça justicier. Vous appelez les justiciers de quoi? De la haine, oui. Allez payer les produits, on vous attend là-bas. Allez payer les produits. Ma tante a mis les produits. Ça me sent. Moi, il appelle tout le monde tonton, tata. Ça me sent. A mis les produits. Allez payer les produits. On ne vous voit pas aller faire la justice. Montrez aussi que son entrepreneuriat peut s'accroître. Vous n'êtes pas là-bas. Vous êtes bourré dans les histoires, n'a point fini. Vous n'avez pas honte? Non, mais vous prétendez donner des mots. Vous étiez où? Là, je vais m'adresser à vous, les justiciers. Vous étiez où? Quand il fallait classer Orangou là, c'est moi qui me suis levé. Quand il fallait recadrer Ahmed Kamel, quand il est sorti sur Monsieur Messang, c'est moi qui me suis levé. C'est moi qui me suis levé. Vous étiez où? Et ça prétend dire qu'on est propre. On est propre lorsqu'on appelle quelqu'un pour aller insulter une autre personne. On est propre là. Hein? C'est ça la propreté. Ce n'est pas de la propreté. C'est de la saleté. Ce n'est pas de la justice, c'est l'injustice. C'est de l'injustice. Alors, j'aimerais que lorsque vous faites la paix, que vous preniez aussi la peine justicière. Parce que quand il y a une injustice, on prend la peine de réparer l'injustice. Prenez la peine de dire à cette personne que vous avez sali hier et qu'aujourd'hui vous marchez ensemble, de dire que lui, derrière la veille, ça m'a jeté caché. Prenez la peine de le dire. Eux de prétendre non que vous n'êtes pas. Vous supposez des choses que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas des justicières. Vous êtes des sorcières déguisées en anges, des tombeaux blanchis. Bande de manipulateurs, de menteurs. Vous êtes fiers lorsque ce monsieur vient. Aujourd'hui, si tu poses la question que papa, tu as quel pouvoir avec ta soeur, il ne pourra pas répondre parce que c'est vous qui êtes derrière. C'est vous. C'est vous qui êtes derrière. Moi, j'ai vu Gita Cosmetics calme. Une femme calme qui arrivait sur Facebook calme. À cause de votre raconteur, vous partez chez rien, vous mangez, vous cassez les os, vous enregistrez, vous envoyez. Parce que vous voulez nuire. L'amitié des gens vous fait autant mal. Et comme lui-même, il ne réalise pas, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas, il ne réalise pas. Il est entourloupé par vous. Vous venez parler de la justice.
Vous connaissez les principes philosophiques de la justice. Vous avez la morale dans la justice. Lorsqu'on blesse les gens, vous ne pouvez pas arranger le tort. Je suis dans la justice. Vous connaissez les lois fondamentales de la justice. Où sont passées ces lois? Où sont les actions qui vont avec? Lorsqu'on blesse quelqu'un et qu'on demande pardon, on met les actions qui vont avec le pardon. Vous avez déjà mis quand? Vous les avez déjà mis quand? Mais fichez un peu la paix aux gens. On se fatigue à un moment donné. Vous n'avez pas pitié aussi de ce monsieur que mais chaque année, il a pris de l'âge. Chaque année, il prend de l'âge. Mais fatiguez-vous, il n'aura plus. Mais il ne va pas faire ça tout le temps. Il ne va pas vous faire plaisir parce que j'ai comme l'impression que c'est pour vous faire plaisir. Il ne vous fera pas plaisir tout le temps. Arrêtez. Et arrêtez de mentir que vous avez donné un contrat. Vous n'avez donné aucun contrat. Je dis bien aucun contrat. Vous n'avez donné aucun. C'est une personne qui a vu ma tante à travers Facebook. Elle vous a appelé. Elle vous a dit, je prends ma Maléva Perpétue comme ingénieur humanitaire de ma marque. Elle ne vous a pas demandé votre avis. Elle a juste regardé. Comme on peut, comme thème parfait, Bangladesh a vu Flore. Elle a dit, je te prends comme ingénieur de ma marque. Pourquoi vous mettez la polémique dedans? Pourquoi vous trouvez qu'un manque de respect ou une ingratitude? Non, mais attendez un peu. Parfois, là, quand vous dites l'école est bien, vous voulez parler d'ingratitude. Vous voulez parler d'ingratitude. Vous voulez prononcer les... Vous appelez les gens, les personnes ingrates. Oh, Seigneur. Mon Dieu. Vous voulez parler d'une personne... Mais quand vous sortez, parfois, hein, arrêtez de sortir des mots français que vous ne connaissez pas. Je suis littéraire. L'ingratitude, c'est un manque de reconnaissance. Allez ouvrir vos dictionnaires. Ma tante n'a jamais été reconnaissante vis-à-vis de vous. La preuve pour la signature de ce contrat, ça devait se passer sans vous. Vous avez suggéré, elle a adhéré. Vous êtes venu ce jour, elle vous a honoré. À chaque événement, elle vous a toujours honoré. Qu'est-ce qu'on appelle l'ingratitude? Quoi l'ingratitude? Mais vous employez souvent des mots. Elle n'a pas vite comme cela, non, mais attends un peu. Vous employez souvent des mots à tout bout de champ. Qu'est-ce que vous appelez ingratitude? L'ingratitude, c'est le caractère d'une personne qui n'est pas reconnaissante ou reconnaissante. C'est un caractère. En quoi est-ce que ma tante n'a pas été reconnaissante, même ceux qui l'envoient seulement même 10 euros? Chaque fois, il dit merci à ces personnes. Chaque fois, elle est reconnaissante, même si ce n'est pas seulement 10 euros, même un conseil, elle vous dit souvent merci pour vos conseils, merci même pour vos prières, merci pour vos partages. Elle est toujours là. Où est l'ingratitude? Où est l'ingratitude? Et vous dites, vous êtes justicier. Je suis justicier de quoi? Depuis 4 mois que cette affaire dure. Je n'ai pas vu l'un d'entre vous sortir. Dire que je vais recadrer les choses. J'ai vu personne. Ça tirait de part et d'autre. Sachez aussi que les autres n'ont pas le nom à la place du cœur. Ils n'ont pas le fait à la place du cœur. Ils ont un cœur. Ils ont un cœur. Comme j'ai ce cœur-là. Je souffre, ça ne s'arrête pas. Je tente, ça ne s'arrête pas. Vous voulez quoi? Quand il fallait défendre, ma tante ne vous a pas défendu ici. Bête et ongles, face à vos détracteurs. Je ne vous ai pas défendu ici. Où est l'ingratitude? Parce qu'on dit stop. À un moment donné, on prend de l'âge, on arrête. C'est ça l'ingratitude. Bonjour. Bonjour, Abbé. Oui, bonjour, ma personne. Oui, écoute, cette histoire-ci, ça m'énerve que tu n'as pas l'idée. Parce qu'à un moment donné, il faut taper la main sur la table. Le couple des jumelles, là, c'est un couple qui me plaît. Moi-même, je suis Bassa. Ce sont les gens que je suis depuis des années. Mais ce couple-ci, j'ai constaté qu'ils sont des gens que, pour marcher derrière, il faut baisser la tête. Quand tu essaies de soulever la tête, ils te ramènent, ils t'appellent ingrat. Mais ce n'est pas comme ça quand on marche avec des grandes personnes.
L'histoire, c'est ça fait 4 mois que ça dure sur la toile. Monsieur Messan est le grand frère de Compressor et de Amélie, dame Amélie. Mm-hmm. Normalement, cette histoire, c'est lui qui a mené ça sur la toile. Alors que c'est lui qui devait appeler mm-hmm. ses soeurs et sa femme s'asseoir à huis clos et parler cette histoire. C'est lui le premier à mener cette histoire sur la toile. Et il fait comme une femme. Alors que c'est lui qui est le grand frère et c'est lui qui devait calmer cette histoire-ci. Et c'est lui qui parle. Sa femme est là tranquille, ne parle pas. Alors qu'il fallait calmer cette histoire. Ça m'énerve comme tu n'as pas l'idée. Donc à un moment donné, monsieur Messan, si vous m'écoutez, ce n'est pas comme ça. Un grand frère de la famille ne gère pas les histoires comme ça. Quel qu'en soit ce qui s'est passé entre vous là-bas, il fallait arranger cette histoire là-bas. Vous n'êtes pas obligé de marcher mm-hmm. ensemble. Vous n'êtes pas obligé de marcher ensemble. Si vous voyez que vraiment, vous ne voulez plus marcher ensemble, vous que vous arrangez la situation et chacun reste sur son chemin. Tout ce que vous parlez là maintenant, si c'est qu'on commence, parce que l'autre jour, il y a la marraine de leur, la marraine de je ne sais pas, leur marraine, la dame qui est à côté de celle qui marche avec elle là. Mm-hmm. Elle est sortie, elle a fait une vidéo. En disant comme si en faisant comme si elle voulait parler à la place du couple. Mais quand bien Amélie sûr. A récupéré l'histoire, elle mm-hmm. a commencé à répondre selon les paroles de cette femme. Tu as vu que ça a calmé, parce qu'il y a les vérités qui sortaient. Et Amélie, mm-hmm. c'est une femme très intelligente. Exact. Elle est très intelligente, parce que même monsieur Messan n'a pas vu Amélie arriver. Mm-hmm. Donc, cette histoire-ci, si monsieur Messan ne cherche pas à calmer cette histoire-ci, c'est lui qui va devenir ridicule. Mm-hmm. Parce qu'une comme moi, c'est un couple comme moi, je supporte. Et je continuerai toujours à supporter parce que je suis Bassa comme eux. Exactement. Mais ce qui se passe là, je n'aime pas ça, même pas un peu. Ils ne se comportent pas bien. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ils risquent d'être seuls dans leur coin mm-hmm. et perdre tout ce qui les supportait avant à cause de cette histoire-ci, parce que ce n'est pas bien. Mm-hmm. Donc, moi, j'appelle monsieur Messan à chercher à résoudre ce problème-ci. Parce que toi qui parles là, tu as cherché à calmer. Tu as commencé à publier même les deux produits sur la toile, le produit de Gluta et de Star Messan, parce que ce sont tes gens. Mais à un moment donné, ils poussent les gens à choisir. Exact. Et ce n'est pas bon. Exact. Ce n'est pas bon. Compressor a signé un contrat où elle est obligée de respecter le contrat qu'elle a signé. Mm-hmm. Alors, si maintenant, M. Messan a le problème avec l'utation et que le compresseur a signé le contrat, elle est obligée de marcher selon le contrat. Bien sûr. Elle s'est engagée, elle est obligée de respecter. Peut-être après, quand le contrat va finir, elle va dire que bon, comme le contrat là, m'a trop serré au cou, je ne veux plus le contrat, je vais choisir mon frère. Mais il faut mm-hmm. savoir que nous sommes là pour, chacun cherche à manger. Et c'est monsieur Messan qui parle souvent de travail. Il est le monsieur propre. C'est lui qui supporte des gens qui travaillent, les PTT et tout et tout. Et maintenant, il est en train de vouloir casser ses propres soeurs qui cherchent à avancer. Hier, il a apprécié Amélie. Il a mis Amélie en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Compresseur en haut, en haut. C'est lui qui les rabaisse alors. Est-ce que dans ce cas-là, maintenant, comment on va faire pour croire tout ce que monsieur Messan dit? Mm-hmm. Donc, vraiment, ça m'étouffe cette histoire-ci. Donc, excusez-moi que peut-être j'ai... C'est vite pareil pour moi. C'est pareil, voilà. Tizachou. Pareil. Depuis 4 mois, toi-même, tu m'as toujours vu comment je suis toujours resté calme. Je rigolais, mais je n'en peux plus. Et je ne peux pas faire comme je vois là. C'est, je ne suis pas bien. Qui est bien dans cette histoire? Même moi qui te parle là, je parle parce que j'ai mal. Il faut que monsieur Messan revoie cette situation parce que sinon, il va nous pousser à choisir. Et quand on choisit Amélie, hein. Parce qu'on choisit le travail. Il ne peut pas venir jeter mettre les bâtons dans les roues. Et alors que c'est lui qui a le PTT. Il devait supporter. Et même dire même à ses soeurs après, avant, en bas, que comme vous voyez là, je ne suis pas content, c'est ça. Mais devant les gens, il faut quand même faire un truc. Bien sûr. Mais il nous pousse à choisir. Et parce que si ça pète là maintenant, on ne va pas prendre son camp, hein. On ne va pas prendre son camp et ça va pas être bien. Et il y a beaucoup de vérités en bas que nous, les gens ignorent. Et toutes ces vérités-là vont sortir.
Donc, excusez-moi, pardon, que j'ai trop parlé, parce que cette histoire, ça me brûle comme tu n'as pas l'idée. Non, de rien, ma personne. Moi, pareil. Okay. Moi, de même. Merci beaucoup. De rien, maman. Merci à toi. Donc, voilà encore une personne encore qui... Je vous ai toujours dit, je suis une personne entière. Je suis tellement une personne d'une personne entière. Je suis une personne entière. Et quand j'ai mal, je peux faire semblant pendant quelques temps. Mais après, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voir cette situation, j'étouffe. J'étouffe de l'intérieur, j'étouffe. Je n'imaginais pas ça. Je n'imaginais pas ça, en fait. C'est quoi? Bonjour. Bonjour, quoi, là-bas? Non, peut-être que tu n'as pas suivi les lives des petits qui étaient en train de se lancer hier chez ton il chez a ton frère. Piqué. Mais comme d'habitude, non, est-ce que c'est maintenant? C'est comme d'habitude. Hier, moi, je suis entré dans le live, je m'attendais à voir un live... propre, limpide, comme d'habitude, malgré qu'on est un peu en froid. Mais c'était pas bon, c'était pas joli à entendre. J'ai pas dormi de toute la nuit, j'étais très mal. Et tu sais que depuis cette histoire, j'ai toujours appelé calmons-nous. Mais là, je n'en peux plus. Ok. Moi, je suis pas, je te vois, je vois les gens pleins chez toi là-bas. Bonjour. Je suis au Cameroun, hein, je suis au Cameroun. Bonjour, la TKC, bonjour. Non, je ne suis pas, je vois les gens pleins chez toi, je dis qu'il y a quoi encore, qu'il y a le monde ici, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas, je ne suis pas sur Facebook. En tout cas, ça me fait doucement, pardon, c'est entre nous, ne donnons pas le fouet au ténébreux de nous fouetter. Je ne peux même pas leur apporter, maman. Pardon, faites avec intelligence, pardon, parce qu'ils sont en train de nous guetter en caïman, ils ont vu le bim qu'on a fait samedi là-bas. Je m'en pépé, non? Voilà. Donc, ils disaient que ma pépé n'a pas les gens, ils ont vu. Les gens, c'était les gens de ma pépé, hein. C'est pas le Wamba Fomba. Hein. Ma pépé, c'est une star. Ça, mais la salle était pleine. Moi-même, je m'attendais pas à ça. La salle était pleine. Les gens font les achats. Les guita là. Les rangs pour acheter, je te jure, c'était top. Tu comprends, non? Oui, je te dis. Oh là là. La soirée, l'événement s'est très bien passé. Et tout ça, c'est grâce à Pépétu Maléba. Il faut se dire la vérité. À Pépé, les gens sont venus là témoigner son amour. Comme on croit qu'il n'y a personne là. Vraiment, la TKC, continuez comme ça. Je sais que vous avez beaucoup travaillé derrière. Vous avez envoyé les familles venir faire les courses, tout ça. C'est très bien. Il y avait du beau monde. Hein. C'est vraiment, j'ai vu des gens là-bas, la sécurité qui voulait seulement me taper là-bas. Ah, Adama, c'était comme si... C'était comme si cette femme de Biaké était là-bas. Hein. La police, le sang, le cadre du corps de Maman Sarah. Oui. En tout cas, restez les histoires de Facebook. Hein. La réalité, c'est autre chose. Là-bas, là, moi-même, on m'a dit stop, madame. Pip, pip. J'ai dit Seigneur Jésus. De toute façon, ça me je te laisse à ton direct, mais fais doucement, c'est entre nous. Vous savez, nos combats. Non, je ne veux même pas, je ne veux même pas extrapoler, je suis juste fâché. Esselemba est là-bas, elle vit, ça y est. Pardon, salue-moi, ça y est, tu as la fenêtre, je te salue depuis Hôtel Sawa. Je te salue depuis Hôtel Sawa, Ça, ça y est. Ok, maman, merci beaucoup. Ah, ça a coupé. C'est trop. Toute cette polémique-là, nous tous, je vous ai dit, on sait le faire. S'il faut être dans ça, je dis que je peux faire l'hypocrisie propre. Mais à la fin, je gagnerai quoi?
je gagnerai quoi en le faisant? Rien. Depuis 4 mois, les gens sont inconfortables dans cette situation. Je dis tellement inconfortable, mais tu ne peux pas imaginer. À chaque sortie, chaque dérapage, que ce soit du côté de Maman Perpé ou du côté du couple, les gens sont inconfortables. Tu te poses la question, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui a érigé tout ça? Qu'est-ce qui a érigé tout ça? Tu te demandes, mais tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Et je vois des gens qui continuent à pondre des postes sous le prétexte qu'on soutient. Vous soutenez quoi dedans? Si vous n'êtes pas dans la haine. La justice a un parti. La justice, c'est l'égalité. La justice est morale. Arrêtez de prendre les mots dont vous ne maîtrisez pas l'étymologie de ce mot. Vous appelez quelqu'un d'ingrat, vous voulez comparer Flore et Compressa, ils ne sont pas comparables. Pas du tout. Ce ne sont pas des personnes comparables. On évite, on évite, on évite, on évite, mais à un moment donné, vous voulez pousser les gens en bas. Ce serait sans moi. Lorsqu'elle va arriver, je dirai ce qui est vrai. Et rien que la vérité, comme je suis en train de le dire. Que vous qui êtes en train de soutenir aujourd'hui, lorsqu'il fallait donc établir la justice à sens unique, parce que votre justice, elle est à sens unique. Quand il fallait l'établir à sens unique, c'est moi qui me suis levé pour répondre aux ennemis de mon oncle. Je n'ai vu personne d'entre vous. Je dis bien personne. Je n'ai vu personne. J'ai appelé ma tante. Madame, j'ai appelé un mec, mais je lui ai demandé qu'il faut qu'il arrête. Ce n'est pas normal. Ça, c'est de l'ingratitude. Là, c'est de l'ingratitude. Moi qui suis le genre que je préfère citer les miens, mais dès que quelqu'un s'attaque aux miens, je me lève. C'est de l'ingratitude. Ah, l'ingratitude, parce que quand tu appelles, on te donne 100 euros, 200 euros, 300 euros. Il faut devenir le mouton de la face. Donc, en fait, pour vous, c'est que tant que vous monnayez 100 euros, 50 euros, dans vos villes, la personne doit devenir le mouton de la face. Au fait, au point où, quand c'est mal fait, tu dois admirer que c'est bien fait. Non, mais ne m'amenez pas dans la médiocrité. Je ne suis pas médiocre. Ne me traînez pas dans la médiocrité quand même. Il y a plusieurs situations qui sont arrivées. Même avec l'autre camp d'en face, une des camps du camp d'en face, je n'ai pas voulu me mêler parce que je me suis dit, franchement, ce n'est pas la peine. C'est très mauvais, c'est très sale. Quand c'est sorti, j'ai pété un câble. Arrêtons. Si vous voulez, n'arrêtez pas. Je suis résistant, je suis nuisible. Quand j'ai à dire les vérités à quelqu'un, même si tu me donnes le diamant et que je vais te dire tes vérités, je vais te les dire le lendemain. Si j'ai faim, je reviens, je ne vais pas te dire que j'ai faim. Tu veux qu'il donne, tu veux qu'il ne donne pas, m'en fous. Tu fais mal, je te dis que tu fais mal. Vous ne pouvez pas continuer dans la bêtise que vous êtes en train de faire. Un petit contrat comme ça, vous mettez dans cet état, mais je pense que le jour où Maléba va avoir des contrats des milliards, ou des millions, mais vous serez indisposé, vous allez vous suicider. Vous allez vous suicider et ça appelle quelqu'un ingrate. Et ça appelle quelqu'un, et ça dit je suis propre où? Les justiciers, vous êtes propre où? Non mais attends un peu, vous connaissez même la définition du mot propre? On est propre lorsqu'on finit d'insulter quelqu'un, on se retrouve en train de marcher avec cette personne, on est incapable de dire à cette personne. Je prends le cas. Michel Sombé, Valérie Amougou. Valérie Amougou est une personne que j'ai. Elle m'a toujours appelé mon fils, mon frère. Je l'ai toujours aimé. Mais lorsque l'histoire de ma grande sœur Michel Sombé est arrivée, j'ai dit Valérie Amougou n'aurait pas dû le faire. Parce que c'est une personne avec qui vous avez marché. Je me suis levé. J'ai tiré sur Michel et sur Valérie Amougou. J'ai tiré sur elle. Il y a certaines situations que lorsque je ne me sens pas, je prends le parti de la personne que je sais que cette personne-là mérite le soutien et que c'est l'autre qui est en déphasage. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez soutenir quelqu'un? Voilà une dame qui vous dépasse à payer. Hein? Voilà une dame. Elle vous dépasse à payer depuis là. Vous êtes là, vous tournez comme les mauvais esprits. Vous voulez museler les gens sur Facebook, adhérer les gens à votre conduite. Facebook n'est pas la maison de Kangouka. Allez prier Kangouka dans vos maisons.
quand il y a des injustices. Donc vous êtes justicier. Et quand il fallait citer les gens, il fallait regarder les gens, il fallait défendre mon oncle, vous n'êtes pas sorti. Sachez donc qu'à partir de la nouvelle année qui commence, j'incite les gens pour vivre. Tu aimerais que je te défende, tu me payes. Tu ne me payes pas, tu as te faire foutre. J'ai plein de sujets sur lesquels je peux naviguer. Ça va se passer dorénavant comme ça. Parce que vous venez sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression d'utiliser les gens, et après vous prenez des attributs que vous ne maîtrisez en rien. En rien. Vous autorisez qu'on vienne mettre votre fille, vos soeurs, à la vertu populaire. Mais quand on est l'aîné, on n'est pas seulement aîné en âge, on est aussi aîné en réflexion, on est aussi aîné en mentalité, en moralité. C'est quoi ce pic indirect, ingrat? Où est le sentiment d'ingratitude? Vous êtes toujours reconnu, non? Elle a toujours été là, non? Pourquoi vous faites ça? Pour quelle raison? Pourquoi vous voulez faire en sorte que les gens choisissent leur camp? Pourquoi vous faites ça? En tant que sans sache que ce jour-là, tu peux demander à la personne qui gère ton compte. Demande à la personne. C'est moi qui allais contacter. Je vais envoyer moi les liens du flyer. La personne peut te dire le programme que j'avais. Si vous remarquez, M. Dintan, vous allez remarquer que je ne suis pas moi-même. Je subis un stress que je n'ai pas envie de partager. Je le garde à l'intérieur de moi parce que c'est personnel. J'ai appelé ma perpée. J'ai appelé, on a fait une conférence et l'entreprise Bruta a dit, il n'y a pas de problème. C'est ma soeur, on accompagne. J'ai dit, OK, je commence dans 2 jours parce que le lendemain, j'allais faire des choses dont ma tête n'était pas en ordre. Lorsque vous vous êtes assis pour manger, boire, ça circulait déjà. Les pics se lançaient déjà. Comment est-ce que je suis au courant? Comment est-ce que nous savons? La conversation qui s'est passée avec les Yves Ngomatipe et autres, je m'arrête là. Nous les savons. Nous, je suis au courant. Comment est-ce que moi, parce que je ne dis pas nous, je dis moi. Comment est-ce que moi je sais? Peu de temps après, j'ai entendu comment ça parlait. Peu de temps après, vous avez commencé sur avec vos posts. Avec les faux profils, vous voyez qu'on ne sait pas comment est-ce que ça fonctionne. On le sait, je le sais. On sait très bien comment ça fonctionne. Ça n'a même pas mis long. Je me suis dit, mais ça veut donc dire que finalement, je vais faire ce genre de choses. Je vais aller me mettre, m'appeler à ça. Pourquoi? Pour quelle base? Bonjour. Allô? Bonjour, ma personne. Bonjour, c'est cela, je suis toujours à ma perpée parce que je n'aime pas sortir d'accord, oui, tu es sur le palais, je suis toujours en ligne. Oui. J'allais demander, je dis, comme monsieur me s'entraide perpétuer des ingrats, lui-même n'est pas ingrat, combien de temps on peut faire la paix ici pour ce monsieur et sa femme? On a dit ensuite que sa femme ici, ses infidélités, quoi? Confession à changer, c'est-à-dire que c'était un peu et un peu. Confession à changer avec Jean-Paul. Ce monsieur a raconté que tout le monde a fait ça. Nous, on a dit que c'était un peu. Vous êtes manipulateur. Vous avez donné une conquête à un mec. Ce n'était pas possible. Et là, il a dit que vous avez quand même un mec. On peut s'en appeler avec un mec. Et là, il a commencé à faire un mec avec. Tout le monde a dit que j'étais le plus
c'est ça. Une personne, maintenant, il est accompagné avec le confesseur est ingrat. Il a couru, le confesseur a couru à milieu derrière lui. On connaît toujours quelqu'un de l'aide. Vous voyez donc, il y a autant de personnes que cette situation désespère. Je fais partie de ces personnes. Ça fait 4 mois. À un moment donné, depuis qu'un direct, il faut arrêter. J'ai même dit, hein, parfois on prend de l'âge. Hier, j'étais celui-là que ma bouche était le robinet. Je restais 5 heures de temps à placer tout le monde. Vrai profil, faux profil, même les internautes, les Facebookers, je mélangeais tout le monde, j'atomisais. J'ai commencé à diminuer chaque année, j'en dirais quelque chose. Si vous êtes vraiment justicier, conseillez cette situation-là. Revoyez cette situation. Dans le cas contraire, arrêtez de dire que vous êtes justicier parce que vous ne faites pas votre justice. Vous n'êtes pas dans la justice, vous ne la faites pas. Et lorsque quelqu'un émet un mot comme ingratitude,
L'ingratitude, la définition de l'ingratitude, c'est un manque de reconnaissance. Ma tante n'a jamais été cette personne qui est ingrate ou qui ne reconnaît pas un bienfait. C'est faux. Cette image que vous voulez faire véhiculer d'elle, c'est faux. À un moment donné, les piques indirectes, il faut arrêter. Il faut savoir s'arrêter. La question que moi je vais vous poser pendant ces piques indirectes, c'est que donc vous avez pu avoir 4 millions. Et Mossa me demandait les dons ici pour aller donner la banane malaxée aux enfants au Cameroun. Vous n'avez pas été capable d'enlever un régime de banane pour donner. Vous n'avez pas été capable. Parce que moi, je ne veux pas avoir une association à but non lucratif qui aide les personnes défavorisées. Et j'ai une sœur qui fait dans ces œuvres-là depuis des années. Je ne vais pas auprès de cette association au sein de ces réunions pour dire que, bon, tiens, j'aimerais que chaque année, on enlève pour envoyer cette femme devant pour pouvoir la soutenir dans ses œuvres, pour pouvoir donner une image présentable d'elle. Donc, ça vous plaisait juste lorsqu'elle venait bagarrer pour vous, lorsqu'elle venait insister pour vous. Ça vous plaisait. Et là, elle n'était pas ingrate. Une fois qu'elle décide que non, je suis sur un contrat, je vais travailler sur ce contrat-là, laissez-moi faire. Ça devient de l'ingratitude. Vous oubliez que c'est vous qui avez lancé le tir. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi. Moi, depuis 4 mois, j'ai appelé au calme, j'ai supplié, j'ai pleuré. Dieu m'est témoin. Bonjour, maman Perpé. À un moment donné, je pète. Parce que ce que j'ai vu hier là, c'était une fois de trop. Et je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas faire ce jeu. Je ne vais jamais entrer dans le jeu de manquer de respect avec mon oncle. Ça, jamais. Mais quand il agit mal, quand il fait mal, je viendrai dire que là, tu as mal fait. Et j'appelle les justiciers de changer déjà leur nom. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas les justiciers. En fait, c'est vous les ingrats. C'est vous les ingrats. Parce que lorsque ma tante bagarrait pour vous, elle n'était pas ingrate. Vous étiez où? Vous étiez tapis dans l'ombre. Vous étiez caché dans l'ombre. Lorsque je me suis levé par sa mère Kamer, on ne vous a pas vu. Mais quand il y a eu réconciliation, vous n'avez pas été capable de dire à mes camarades que nous étions derrière Gomaboa pour précipiter le tir. Vous n'avez rien fait. Alors qui est ingrat? Qui est propre et qui est sale? Pesez un peu dans une balance. Qui est propre et qui est sale? Arrêtez. Arrêtez. Ce jeu a assez duré. On est l'aîné. On n'est pas seulement l'aîné en âge. Lorsqu'on est aussi l'aîné, c'est pouvoir à un moment donné réunir ses frères, ses petites sœurs. Parce que ce qui se passe là, les petits, c'est la petite sœur de très loin. Elle est autour d'une table, causée comme des personnes. C'est quoi lancer ces pigs-là? Et vous pensez que les gens ne voient pas? Les gens voient. Ceux qui vous aiment, ceux qui nous aiment, ceux qui aiment tout ce que nous faisons, ils voient. Vous pensez qu'ils sont à l'aise? Bonjour, mon frère, rappelle-toi. D'un de mes posts en 2016, j'avais dit que un jour, les masques finiront par tomber et que les gens finiront la manipulation avec personnes. Voilà. Bien sûr, ça je me rappelle très très bien. Je me rappelle très bien. Volume, j'ai mis le volume. Non. J'ai mis le volume. Si tu veux plus de volume, tu m'achètes un téléphone, c'est simple. Non. Arrêtez parfois. Donc, vous savez plus seulement quand on se fait passer pour des guignols et des marionnettes ou quoi. Ça, c'est que nous aussi, on a une vie. Tout le temps, on ne va pas seulement venir se chamailler sur Facebook, après bloquer nos chances ou bloquer notre vie. Parce que non, il faut qu'on vienne défendre les gens. On ne va pas le faire tout le temps. Qu'est-ce que ma tante a fait de mal? Pour qu'aujourd'hui elle soit la cible de ces attentats. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Rien. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Je ne vois pas. Ce n'est pas vous qui lui avez signé le contrat. Je suis désolé. Arrêtez de faire croire aux gens que c'est grâce à vous. Ce n'est pas grâce à vous. Elle vous a même honoré. Le contrat allait se faire signer même sans vous. Elle vous a honoré de venir. Elle vous a présenté. Elle était là. Elle a toujours donné de son temps. Comme vous avez toujours donné aussi du vôtre. Je ne veux pas dire que c'était une relation à sens unique.
Mais quand ça se passe comme ça, n'est-ce pas, on tape la main sur la table, on arrange les choses. Moi, j'étais outré de voir aujourd'hui Aurore Angoulay devenu votre bestie, votre best-star. J'étais outré. Je ne serai pas cette personne-là que vous croyez, que vous voulez faire voir, vous voulez que je sois. Je ne caresse pas au sens du poil. Quand c'est mal, je dis c'est mal. Quand c'est pas bien fait, je dis non. Moi, c'est comme ça que mon père m'a appris. Si je le disais à mes parents, plus forte raison vous. Quand mes parents se comportaient mal, si je leur disais, plus forte raison vous. Je peux vous dire des vérités sans toutefois être insolent ou permettre un dérapage linguistique. C'est quoi? Ce qui est mauvais d'entre eux, c'est que ça dure depuis des années. C'est depuis des années que c'est comme ça. Le mode de fonctionnement a toujours été le même. C'est comme ça depuis des années. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Fatiguons-nous. Fatiguons-nous. Ne poussez pas les gens à devenir ce que vous êtes. Surtout moi, ne me poussez pas à être comme ça. Ne me poussez pas à faire ça. Parce que je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il n'y a plus une comparaison, il n'y a plus une ingratitude. Aujourd'hui, cette fleur que vous êtes en train de vouloir vénérer, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Je sais de quoi je parle. Vous ne l'aimez pas. J'ai l'impression que vous êtes en train de vivre une vie par procuration. Vous êtes en train de vivre une scène par procuration. Mais vivez-la bien. Vivez la vôtre. Et non celle des autres. C'est vous qui avez commencé ça. Vous nous avez mis dans une situation d'inconfort. Ça parlait pendant que les gens mangeaient, vous n'avez pas tapé le poing. Vos gens, vos généraux, vos justiciers publiaient des postes pour dénigrer cette dame d'Amélie. Vous n'avez rien dit, ça vous arrangeait. Au contraire, vous avez partagé, multiplié les postes. Parce que quoi? Vous savez qu'elle n'a pas de faux profil. Personne ne peut venir parler pour elle. Il faut qu'elle sorte pour lui attribuer le tort. Parce que c'est comme ça que vous avez toujours fonctionné, non? Les justiciers, c'est comme ça que vous avez toujours fonctionné, non? La manipulation, c'est l'affaire. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas marcher dans la manipulation. Je fais partie de ces personnes. Et comme moi, il y en a plusieurs. Allez retirer le disque. Nettoyez-le. Parce que le mode d'emploi, elle est connue. Retirez-moi ce disque. Amélie et vous, vous n'avez eu aucun problème. Il n'y a eu aucun problème pour que vous la traitez d'ingrate. Mais avant de la traiter d'ingrat, dites aux gens que les services que vous lui avez proposés, elle les payait. C'était payant, c'était pas gratuit, non? Une publicité était payante. Pareil comme t'es un parfait Bainadège, elle paye Flo pour faire la pub. On ne travaille pas pour rien. C'était payant, c'était pas gratuit. Prenez la peine de dire la vérité quand il faut dire la vérité. C'est quoi ça en fait? Et je vois les gens qui s'exilent, les gens qui s'y sautent, et ça se dit justicier. Ça porte des gros attributs. Ça se dit propre. Où est la propriété? Il n'y a eu aucune propriété. Je dis bien, il n'y en a pas eu. Vous le savez, je le sais. Quand il fallait faire du sale boulot, vu que moi je suis là à la boue, me salir davantage ne me cause aucun problème. Et préservez votre pureté, si ça c'était votre objectif premier. Est-ce que vous pouvez alors être fier de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous arrivez à bien dormir sur vos lauriers et être heureux de ce que vous faites? Est-ce que vous êtes fier de ça? Quand même. Donc, je vous dis, vous faites les dons depuis 2010. Et les petits qui vont au Cameroun tout le temps, même si vous la donnez 2 sacs de riz, elle donne 1/2 sac de riz. Vous n'avez pas été capable de la hisser. Vous n'avez pas été capable de le faire. Hein? Non, aujourd'hui, vous pouvez aller au Cameroun donner des dons. Ça, ce n'était pas des dons. C'était une concurrence. Ce n'était pas les dons, en fait.
C'est une concurrence parce que vous ne pouvez pas vous mentir vous-même. Vous pouvez mentir une partie du peuple, mais vous-même, vous ne pouvez pas vous mentir. Les gens voient, les gens ont vu. Les gens voient, les gens ont vu. Et les gens continuent de voir. L'affaire Martinez-Yogo est finie depuis. On l'a enterré. C'est bon. Amougou Belinga en prison. C'est bon, c'est fini. La diversion, la distraction qu'on voulait nous amener là, c'est une diversion. On n'est pas dedans. Vous êtes seul dans votre jeu. Et comprenez que ça doit cesser. N'oubliez pas que vos victimes sont nombreuses. N'oubliez pas. Vos victimes, vos dégâts sont nombreux. On les couvre parce qu'on est une famille. On ne veut pas faire comme vous. Mais on peut aussi essayer de rétablir la vérité quand il faut. Parce qu'on ne sera jamais comme vous, on ne fera jamais comme vous. Ma tante n'est pas une ingrate. Elle a ses qualités. J'ai toujours dit, lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime avec ses qualités, on l'aime avec ses défauts. Il y a plusieurs fois, ma tante et moi, on a voulu se prendre propre. On s'appelle en inbox. On se dit ce qu'on a à se dire de manière violente et méchante. Et après, on est soulagé. En tant qu'aîné, en tant que quelqu'un qui a mangé beaucoup de Noël, Madame la régie, tu pouvais appeler tes enfants, tu pouvais appeler tes frères et sœurs. Quand on dit qu'on est là pour la paix, c'est pas ce que je vois là. C'est tout sauf la paix, c'est la haine. C'est la haine. Et je peux dire que je mets encore ça sur le cadre d'une désinformation ou sur une incompréhension. On s'appelle, on se dit les vérités. On se dit là, on a frotté, là où c'est pas bon. Là où on sent mal, là où il y a de la peine. Si ça ne vous fait pas honte, toutes les personnes avec qui vous avez marché, parce que pour ces personnes-là, que ce soit les Nolita, la baronne, les âmes ou des autres, vous avez marché avec ces gens. C'est les gens avec lesquels vous avez marché. On ne peut pas quand même être en parlant avec tout le monde. À un moment donné, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est moi le problème ou ce sont les autres le problème? Mais au fur et à mesure que les années passent, on réalise que le problème n'est même pas sur les autres. Il faut se revoir. Il faut s'ajuster. Voilà la fin d'année. Chaque fin d'année, on essaie un peu de faire un bilan. Faites le vôtre. Chers justiciers, la justice de la bêtise, faites votre bilan. Asseyez-vous un peu. Regardez-vous droit dans les yeux, faites votre bilan. J'ai honte à votre place, si vous n'avez pas honte. Et moi, je suis fatigué. C'est quand vous voulez. Mais ça serait sans injure. Je dirais la vérité, rien que la vérité. Si c'est une semaine que je décide de dire la vérité, je vais dire la vérité. Je ne vais jamais vous insulter. Je ne vais jamais vous manquer de respect. N'attendez jamais manquer de respect de ma part. Je ne suis pas comme ça, je ne vais jamais le faire. Mais vous m'avez déçu. J'ai dit bien déçu. J'ai été vraiment déçu. J'ai prévu supprimer le direct de... Parce qu'il y a des personnes qui vont ramener un peu un manque de respect. Je vais laisser le direct pendant 24 heures ou 72 heures. Et après, je vais les enlever parce que moi, ça me fait honte. Donc, les personnes iront dire que j'ai manqué du respect. Ce n'est pas un manque de respect. C'est un enfant qui a mal et qui étouffe. Je vais le laisser pendant 24 ou 72 heures, pour que demain, on n'aille pas désinformer mon direct, que j'ai manqué le respect, pour que je me suis allié à quoi que ce soit. J'ai toujours donné ma position dès le départ. Qu'une guerre éclate, je choisis Gluta Cosmétique pour des raisons que j'ai essayé de vous citer une partie.
Donc, Anna, il faut pas, faut vraiment pas, à un moment donné, c'est, ça fait mal, mais moi-même, je suis resté pareil pendant 4 mois. Je me suis dit, j'ai enterré avec, c'est fini, c'est bon là. Mais j'ai réalisé que c'est pas fini. C'est pas fini. Et généralement, vous savez, lorsqu'on essaie de casser une blessure sans la soigner, elle va s'infecter. Et les dégâts risqueront d'être graves. Si on la perce maintenant, on finit avec et on avance. Soit on va seulement la percer. Parce qu'il n'y aura pas ou ça ou l'autre. Pour qu'au moins si les cœurs se libèrent. Et soyez-en sûr que ça serait sans spectacle. Il n'y aura aucun spectacle. Aucun. Parce que je ne me vois pas faire un spectacle là-dessus. Aucun. C'était un live hier une fois de trop. Les gens sont fatigués de cette situation qui nous met tous inconfortables. Et ne poussez pas les gens à choisir leur camp. Parce qu'il y a des gens qui nous aiment comme ça tous. On aime aller ici, on aime aller là-bas. Et c'est sans mauvaise pensée. Tu ne peux qu'en vouloir aux personnes avec qui tu as mangé, aux personnes avec qui tu parlais. C'est les mêmes personnes, aux faux profils qui pondaient des messages et dont ces messages se reliaient sur tes pages. Tu ne peux qu'en vouloir à ces personnes. Et tu peux taper le poing sur la table et leur dire, arrêtons. J'ai entendu beaucoup de trucs où au fond de vous, vous savez que la vie, elle est courte. Si la vie, elle est vraiment courte, si en allant voir des personnes qui vivaient dans des situations difficiles à l'hôpital, ça n'a pas pu vous donner un raisonnement dans la tête, je pense qu'il y a un problème. Parce qu'on dit qu'il y a deux choses qui mettent l'homme à se poser des questions. Il y a la maladie et la mort. Si tu es devant un cercueil, devant une levée de corps, tu n'arrives pas à réaliser qu'est-ce que la vie. Tu es devant une difficulté, devant une maladie, devant une personne malade qui n'arrive pas à se nourrir, qui est couché dans un coma, qui n'arrive pas à te poser les questions, ça veut dire que tu es un animal, tu n'as pas de cœur. Si malgré tout ce parcours que vous avez fait, vous êtes toujours dans la même logique, peut-être que là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En fait, vous vous cachez derrière des emballages que vous n'êtes pas. Merci encore à vous tous. Pas d'injures. On reste concentré pour le 9. Le 9, c'est samedi. Je vous ai dit, il nous reste les tickets de 80, les tickets de 100 et les tickets de 150. Que Dieu protège cet événement qui continue de veiller sur nous. Merci et bonne journée à vous. On se prend ce soir ou à demain soir. Bisous.